Elhaz Alseni Bari Dalaba a été choisi comme président par intérim de la Coordination nationale des Foulbé et Halipula de Guinée. Il remplace ainsi le défunt Elhaz Ousmane Baldé d'Issaloua, décédé le 26 mars dernier par suite d'un malaise. Cette désignation est intervenue à la suite d'une rencontre tenue dimanche 2 avril à Conakry par les sages ressortissants du Fouta Dialon. L'opérateur économique Elhaz Alseni Bari va assurer les affaires courantes de la coordination jusqu'à la fin de veuvage des femmes de son défunt prédécesseur. Après l'annonce de la nouvelle lui confiant la tête de la coordination nationale des Foulbé et Halipula de Guinée, Elhaz Alseni Bari dit avoir pris acte de la confiance placée en lui. Dans sa prise de parole, l'homme d'affaires a rassuré que personne ne sera exclu de la coordination nationale des Foulbé et Halipula de Guinée. Elhaz Alpha Amadou Kour Diallo, un pilier des opérateurs économiques guinéens, était présent à la rencontre. Il a déclaré sa disponibilité d'accompagner le dirigeant intérimaire de la Coordination nationale des Foulbé et Halipula de Guinée dans sa nouvelle mission. Ko
Les attentes sont nombreuses pour le nouvel entrant à la tête de la coordination nationale de Fulbe Halipoular de Guinée. La jeunesse Halipoular fonde son espoir de tirer des bénéfices auprès du président par intérim de la dite coordination. On attend beaucoup de choses de lui et comme l'habitude, vous savez, il n'est pas la première personne qui occupe ce poste. On attend aujourd'hui beaucoup de choses envers lui, surtout à côté de jeunesse. Il va nous faire approcher à lui pour qu'on apprenne. Il va nous soutenir parce que vous savez, la relève, c'est la jeunesse. Donc nous, les jeunesses de Fouta et pourquoi pas des jeunesses de la Guinée, tout le monde va le suivre, on va l'apprendre. Et puis, je pense qu'il a promis de nous soutenir aussi, il va le faire. Cette rencontre s'est tenue avec une forte mobilisation de la communauté des Fulbe et Halipoular de Guinée à Conakry.